Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, merci de votre présence pour cette cinquième rencontre organisée dans le cadre du prix Summer avec une nouvelle auteure sélectionnée cette année dans le prix Summer par la Fête du Livre de Bron. Il s'agit de Négar Javadi. Bonjour à vous, ma chère Négar. Mais bonjour, bonjour tout le monde. Très, très heureux de vous retrouver, même si évidemment on aurait aimé que ce soit en réel. On est quand même très heureux d'avoir ce temps de discussion avec vous pour parler de votre livre Arène, publié chez Liana Levy, un livre qu'on a beaucoup aimé et qu'on est très heureux d'avoir sélectionné et très heureux de présenter aux lecteurs. Je salue bien sûr l'ensemble des lecteurs à la fois du prix Summer et puis plus largement le public de la Fête du J'ai Livre de mis Bron. sans vidéo et Je sans son. salue évidemment également les Mais médiathèques qui parler devaient comme vous un micro. accueillir, cher Négar, Oui. à l'occasion de votre venue, hein, les médiathèques de Vaise et de Vaux-en-Velin qui avaient organisé votre venue. Un salut amical à tout le monde. On va avoir un petit temps de conversation, hein, Négar, sur votre livre. Et puis, ben, si au fil de la conversation, il y a des questions qui apparaissent sur le chat, je relaierai ces questions, ces témoignages de lecture, ces remarques qui seront données par l'ensemble des lecteurs. Un petit mot de présentation rapide à la fois de vous et puis de votre roman, donc Arène. Il y a la majorité, bien sûr, des lecteurs qui ont lu votre livre, mais quelques-uns qui ont commencé par d'autres et qui donc ne l'ont pas encore découvert. Donc, je vais en dire un petit mot. C'est votre deuxième roman, hein. On vous avait découvert avec la publication de ce très beau livre qui s'intitule Désoriental, qui était déjà publié chez Liana Levy, où vous évoquiez votre origine iranienne, votre exil en France, un pays dans lequel vous vivez maintenant depuis de nombreuses années. Puis donc ce deuxième livre, Arène, qui est un véritable roman noir, on peut dire, on va rediscuter bien sûr de cela, en tout cas un roman ultra contemporain. Alors l'Arène, hein, qui donne son titre au livre, c'est la ville de Paris, c'est plus précisément un quartier de Paris que vous connaissez bien, de l'Est parisien, pour le dire très vite, autour de Belleville, mais on aura l'occasion de préciser cette géographie. Et c'est à l'intérieur de ce quartier de l'Est parisien que vous déployez comme ça toute une galerie de personnages, des personnages qui appartiennent, je dirais, à des strates, hein, diverses de la société française, de la ville de Paris, des journalistes, des étudiants, des politiques, des migrants, des mères de famille. Et puis, bien sûr, ce personnage qui est au cœur du livre et qui est le héros du livre ou l'anti-héros du livre qui s'appelle Benjamin Grossman, ce personnage qui est à la tête d'une filiale, de la filiale française d'une grande plateforme numérique qui s'appelle Bicurrent dans le livre et qui fait bien sûr référence à une plateforme qui est très présente dans nos vies en temps de confinement, qui est par exemple une plateforme comme Netflix ou comme Amazon. Et c'est vrai que ce personnage, il est vraiment le personnage qui va créer du lien, créer une sorte de lien entre tous les autres personnages du livre. Et finalement, à partir d'une mécanique, je le disais presque de polar, puisque au tout début du livre, on découvre ce personnage de Benjamin Grossman qui va perdre son portable. Et c'est finalement à partir de cette perte que va s'enchaîner un certain nombre de rebondissements et d'intrigues. Et en même temps, bien sûr, un polar haletant d'une certaine manière avec du suspense. Et en même temps, un regard, une réflexion très profonde sur la société contemporaine. Et notamment sur la question de la vérité, de l'image, de la fiction. On va bien sûr reparler de tout cela avec vous. Pardon pour cette introduction un peu profuse, mais c'est vrai que le livre a énormément d'enjeux. Peut-être pour commencer, Négar, c'est cette question très simple sur. Je parlais de l'ultra contemporain, et il me semble que c'est quand même très sensible de voir que dans ce livre, vous essayez de capter quelque chose qui est de l'ordre du temps présent, de l'ultra contemporain. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cela, de la manière dont vous envisagez aussi le roman comme étant un laboratoire peut-être pour capter, je dirais presque, la pulsation du temps présent et de l'époque? Oui, en effet, vous avez très bien résumé le livre. Donc, ce roman-là, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire, Désoriental n'était pas, ça traversait un siècle de l'histoire de l'Iran, donc c'était sur un temps beaucoup plus long. Mais là, précisément, écrire sur Paris, ça signifiait pour moi vraiment d'être dans le présent de Paris. Paris a toute une histoire. C'est pourquoi aussi. Dans les pages de ce livre, il y a des moments historiques, enfin, il y a des anecdotes et tout ça qui concerne Paris, que ce soit
des anecdotes de tournage ou des anecdotes historiques, des monuments, par exemple. Mais néanmoins, il y a dans cette ville cette espèce de concomitance entre l'historique et le présent qui fait qu'il y a même un lien, je veux dire, ça se joue. On parle beaucoup de révolution, il y a beaucoup de manifestations. Dans les manifestations, on entend beaucoup parler de révolution. Tout ça se passe place de la Bastille. Donc, il y a toujours des liens entre le passé et le présent. Et en fait, c'est parce que je vis dans ce quartier que je décris. Et dans ce quartier, il se passe énormément de choses. Donc, c'était essentiellement ça que j'avais envie d'écrire. Non seulement ce mélange, ces changements qui sont survenus au fur et à mesure des années, cette violence, cette absurdité aussi de la violence, parce que voilà, c'est ce téléphone portable volé, parce que les réseaux sociaux. Donc, tout ça, cette jungle dans laquelle on baigne, nous les Parisiens, tous les jours, et même tous les gens qui habitent dans des métropoles. Donc, c'était vraiment le projet du livre. C'est pourquoi il fallait quand même saisir le rythme de cette ville et trouver une manière d'écrire pour réussir à rendre au lecteur le rythme de la ville. Alors, vous avez, si j'ose dire, sous les yeux quand même une sorte de microcosme extrêmement significatif et extrêmement symbolique aussi d'enjeux très, très forts de la société française. Vous évoquez dans ce livre les violences policières, la question des crises migratoires, la violence, les trafics de drogue, mais aussi d'une certaine manière la beauté de ce quartier, la solidarité, les liens qui peuvent se nouer. Vous avez finalement, j'ai envie de dire, de votre immeuble, une sorte de laboratoire de la société contemporaine. Est-ce que vous diriez cela comme ça ? Mais absolument, parce que même si on a l'impression, peut-être que les lecteurs ont l'impression que j'ai voulu mettre dedans tous les problèmes de la société française dans ce livre, en même temps, dans ce quartier, il existe un paquet de ces problèmes et je n'ai pas fait que regarder, je n'ai fait que regarder par la fenêtre de mon appartement, parce que c'est vrai, et on le sait, on sait que les frères Kouachi n'étaient pas très loin, on sait que voilà, le Bataclan est juste derrière. On connaît la migration à Belleville, on connaît le quartier chinois, on connaît la violence policière qu'il y avait là sur le quai de Valmy. Il y a une voiture de flic qui a été brûlée il y a quelque temps. Enfin bref, donc, il y a les règlements de compte, il y a les gangs. On a vu les mortiers aussi il n'y a pas longtemps. Donc c'est vrai que ce quartier cristallise un peu tous les problèmes qu'on peut trouver au niveau national et voilà, il suffit. Mais aussi, comme vous l'avez dit, énormément de solidarité, un quartier populaire. Donc il y a beaucoup de tendresse, d'amour entre les habitants et de découverte aussi. C'est-à-dire on découvre les autres cultures, on vit ensemble, on vit pas toujours très bien, mais on essaye. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que ce livre n'est pas un exposé des maux de la société contemporaine, mais bien un roman, et que finalement, tous ces enjeux, ils sont incarnés avec des personnages et énormément de personnages. Il y a un côté roman choral dans ce livre. Peut-être nous parler de la manière dont vous avez finalement travaillé sur cette galerie de portraits. Et comment est-ce que vous avez travaillé à des incarnations, c'est-à-dire comment est-ce que finalement ces grands enjeux-là, ils traversent les corps, ils traversent les destins individuels, ils traversent finalement des vies minuscules et ils sont à l'œuvre dans des incarnations précises. Peut-être vous pouvez nous dire un mot de cela, puisque on est avant tout dans un roman romanesque avec l'idée de l'incarnation et des destins individuels dans cette grande arène. Oui, absolument. On est surtout dans des dessins individuels et dans des logiques de personnages. C'est-à-dire la manière dont je l'ai fait déjà pour parler de Paris, il faut quand même un peu de monde. Donc, il y a beaucoup de personnages parce qu'il y en a beaucoup quand même dans la ville. Et il fallait donner une image globale aussi de la ville et de ne pas se concentrer juste sur un quartier. Et en fait, je savais qu'il y avait plein de personnages et la manière dont je me suis dit que j'allais faire quand même un lien entre les personnages, c'était pour moi un peu comme l'image du métro, en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnages, mais chacun est dans sa logique. Et en fait, les conflits, bien sûr, c'est un roman. Donc, qui dit roman, qui dit fiction, dit conflit. Et les conflits intérieurs des personnages, ceux qu'ils vivent à l'intérieur d'eux, et les conflits qu'ils ont avec la ville, parce qu'ils traversent la ville tout autant que la ville les traverse, se croisent, en fait, un peu comme les lignes de métro, mais personne ne dévie de son chemin. Donc, une des règles que je m'étais donnée, c'était ça, c'était qu'ils restent tous dans leur logique du début à la fin.
Et l'autre, c'était, il fallait décrire pas mal de personnages, mais il fallait aussi ne pas perdre le lecteur et surtout les connaître et aller vite, rapidement dans leur connaissance. Donc, en fait, le point commun entre les personnages, autre que ça, pour moi, et c'est d'où naissent aussi les incompréhensions, les malentendus, les conflits, c'est la frustration. C'était le mot que je m'étais donné, presque, je l'avais collé sur mon ordinateur, c'était que chacun devait apparaître dans sa frustration. Et qu'est-ce qui fait que cette frustration, en fait, jaillit de ce personnage? À un moment donné, ça percute quelque chose qui fait que ça sort, et du coup, ça participe à l'engrenage final. Donc, c'est ces frustrations qui finissent par mettre le feu à ce quartier, à Paris. Alors, ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est de s'arrêter un moment sur le personnage de Benjamin Grossman. Je disais en introduction qu'il faisait finalement le lien entre les différents personnages du livre, notamment avec cette intrigue autour de la perte du téléphone, bien sûr, mais il y a aussi un autre lien qui est peut-être plus profond finalement autour de Benjamin Grossman, et on le découvre au tout début du livre lorsqu'il va rendre visite à sa mère dans un quartier de Belleville, justement. Modeste dans lequel il a vécu. Et finalement, lui, il est aussi ce symbole, je dirais non pas des inégalités, mais en tout cas des différentes strates qui se trouvent dans ce quartier-là. Et finalement, lui, il a aussi un trajet social de ce quartier de Belleville à, d'une certaine manière, la situation de maître du monde qui est la sienne à la tête de cette plateforme. Il fait aussi le lien à l'intérieur des différentes strates de la société. Oui, absolument. C'est-à-dire là où il a abouti, là où il est aujourd'hui, c'est quand même très très haut. Parce que c'est vrai que des gens qui aujourd'hui travaillent pour ces plateformes et qui ont des responsabilités, des directeurs de fiction, etc., ils ont quand même un pouvoir extraordinaire. Parce que finalement, tout le monde, il n'y a pas une personne qui travaille dans ces milieux-là voilà, qui ne vise pas Netflix d'une manière ou d'une autre, qui ne vise pas une plateforme d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ont des pouvoirs incroyables, mais en même temps, ce n'est pas des gens de pouvoir en soi. Je veux dire, c'est souvent des gens, surtout sur ces plateformes-là, qui sont quand même. Il y a un système américain, je veux dire, on peut avoir commencé très petit et grimper très, très, très vite. Donc, ce n'est pas des gens qui ont été formés à avoir ce pouvoir-là et pourtant leur pouvoir est immense. Donc, Benjamin se retrouve propulsé à un endroit incroyable où il en rêve encore, même s'il y est, il n'est pas certain d'y être encore, si ce n'est pas un rêve. Et surtout, ça, c'est son apparence, mais dans sa tête, il n'a pas encore quitté Belleville et peut-être qu'un jour, il ne le quittera peut-être jamais. Pas seulement Belleville en tant que quartier, mais sa vie, la condition sociale. Cette vie, cette petite vie avec sa mère dans ses petits appartements. En fait, pour vraiment schématiser, aller rapidement, je dirais, il est encore pauvre dans sa tête. Il est peut-être riche à l'extérieur, mais il est pauvre dans sa tête. Donc, en lui, il y a ce conflit qui se joue tout le temps. Donc, venir dans ce quartier, c'est replonger dans cet autre lui-même. Et à la fois, il a envie de retrouver ce Benjamin qui a vécu là. Et à la fois, c'est là où le drame sonnait, justement, à cet endroit-là, au moment où il essaye de le retrouver. Alors, je parlais d'incarnation et de vie minuscule. Ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment eu aussi une manière de présenter les personnages dans du détail. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de ce livre, c'est que lorsque vous évoquez chez Benjamin Grossman presque ce complexe de la richesse, ou en tout cas le fait qu'il soit pauvre dans sa tête, c'est montré à un moment du livre. Je pense à cette anecdote où il dit qu'il commande désormais un Perrier avec son café. Et c'est dans ce détail-là, dans cette chose-là, finalement, que se joue le rapport à la classe sociale. Absolument, c'est quand même des images en fait, c'est dans des images, enfin ce que moi j'imagine. Moi aussi, c'est vrai que je suis née en Iran, mais j'ai grandi à Paris, je suis arrivée à l'âge de 11 ans. Donc il y a des images de différences sociales qui sont assez marquées quand même, parce qu'il se trouve que Paris, il y a les quartiers chics, il y a les quartiers du centre, et puis il y a les quartiers pauvres. Et quand on va dans les quartiers chics, il y a une sorte de propreté, d'homogénéité, de beauté aussi, des monuments. Et il y a ces petits détails chez les gens qu'il n'y a pas dans les autres quartiers. Et en fait, bien entendu, un garçon comme Benjamin Grossman, quand il allait de l'autre côté, sans doute qu'il a vu
la manière dont il y a des cafés des deux côtés, mais on ne les boit pas de la même manière. C'est surtout ça. Donc, il y a du commun, mais ça ne se vit pas de la même manière. Et c'est ça qu'il retient. Vous disiez tout à l'heure que ce sont des gens qui ont du pouvoir, mais qui ne sont pas des gens de pouvoir. Comment est-ce que vous définiriez finalement leur pouvoir? Est-ce que c'est le pouvoir du récit? C'est le pouvoir d'une certaine manière, d'apposer un récit sur la réalité, de, entre guillemets, coloniser les imaginaires? C'est quoi le pouvoir en question selon vous? En fait, le pouvoir de déjà, c'est quand même des infrastructures incroyables. C'est quand même que ça soit Amazon, que ça soit Netflix. Déjà, il y a ce pouvoir-là d'être des géants du numérique. Donc, le simple fait d'appartenir à ça, et j'imagine, je n'appartiens pas, mais c'est grisant. Et d'être à la tête de quelque chose comme ça, parce que j'ai vu des gens que je connais qui travaillent maintenant là-dedans, donc c'est tout de suite grisant. Et d'autre part, en fait, c'est des marques qui sont très Netflix, Amazon, peu importe, je veux dire, la manière dont ils travaillent ou les séries qu'ils produisent ne sont pas forcément meilleures que chez les autres. Si, c'est meilleur parce qu'il y a plus d'argent, mais c'est surtout une marque. Incroyable, c'est qu'on a tous envie d'y être. C'est ça, c'est en fait c'est la force de ces marques-là, de Apple ou de, c'est que tout le monde a envie d'y être. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, quand on y est, on découvre qu'on est quand même très formaté. On découvre aussi que l'écriture est dans leurs mains. Par exemple, pour un scénariste, c'est pas forcément génial parce que c'est eux qui dirigent l'écriture. Donc, on n'est pas forcément heureux. Mais c'est ce pouvoir-là, c'est cette attirance de la lumière et tout le monde a envie d'être là. Donc voilà, on a le monde à ses pieds et c'est formidable. Vous savez, quand j'ai lu votre livre, j'ai pensé à un livre qui a été un livre très marquant il y a maintenant peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, qui était le livre de Bret Easton Ellis, qui s'appelle Moins que zéro, et qui était un livre où il mettait en scène finalement ce qui était peut-être il y a 30 ans le maître du monde, c'est-à-dire un trader. Il y a quelque chose qui est aussi de poser à un moment donné ce personnage et d'analyser la manière dont se comportent, dont s'inscrivent ces nouveaux maîtres du monde. Je ne sais pas si la référence vous convient, mais en tout cas, moi, il me semble que c'est une forme de continuité. Mais la référence me convient mais absolument, et, tout à fait. Et d'ailleurs, la question de, j'ai beaucoup pensé en pensant à Benjamin, c'est que la question de l'argent a été très présente dans des romans comme ça, des romans de ville, que ça soit chez Balzac, que ça soit chez John Dos Passos, que ça soit chez Tom Wolfe, Bret Easton Ellis. C'était souvent la figure du banquier, du trader. Mais aujourd'hui, voilà, pour moi, aujourd'hui, cette figure-là, c'est pas le trader qui lui aussi était quelqu'un de pouvoir sans avoir été préparé pour ça. C'est les gens d'image. Parce que l'image en soi, au-delà de Netflix, au-delà du pouvoir de ces géants de numérique, l'image a un pouvoir aujourd'hui qu'elle n'avait pas avant. Tout simplement aussi à cause des téléphones portables. L'image en soi est devenue une sorte de monnaie d'échange assez. C'est devenu de l'argent en fait. Ce qui est très beau aussi, et peut-être c'est une chose dont on peut parler, on a évoqué la relation avec sa mère et cette question un peu du rapport à la classe sociale. Et finalement, la relation avec la mère, avec les parents, elle dit aussi en 30 ans l'évolution du rapport au cinéma, puisque les parents travaillent dans le cinéma, mais finalement dans le cinéma traditionnel. Et il y a aussi ce jeu-là, c'est-à-dire d'une génération à l'autre, ceux qui était au cœur du cinéma tel qu'on l'a connu, si j'ose dire, et celui qui va peut-être en signer l'arrêt de mort. C'est ça, c'est que à l'époque des parents, c'était la machine à rêve, c'était le cinéma en fait, c'était le Technicolor, c'était le 35 mm, c'était le bruit de la salle de projection, et le rêve s'est totalement déplacé et vers ces géants-là, vers les plateformes. Et il y a un monde qui a changé totalement. Et ce monde est d'ailleurs aujourd'hui, les cinémas sont fermés et le confinement symbolise totalement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, il n'y a plus de cinéma. Ça y est, on est tous sur les séries à la maison le soir. Et voilà, le grand gagnant est là et le perdant est le cinéma.
Donc, la salle de spectacle en tant que telle, au-delà du cinéma, le théâtre aussi. Donc, c'est vrai que de Benjamin à ses parents, il y a un monde qui a changé totalement. Alors, l'image, elle est aussi évoquée avec un certain nombre d'autres personnages, et notamment ce personnage de Camille, qui est une jeune étudiante qui, comme ça, se promène avec son téléphone portable, avec l'espoir de capter des scènes, et notamment de pouvoir témoigner, rendre compte des violences policières. Et c'est vrai qu'à travers ce personnage de Camille, il y a toute une réflexion aussi sur les réseaux sociaux, mais peut-être même plus globalement sur la manière dont le fait, les faits, la réalité est d'une certaine manière supplantée par sa représentation, par son instrumentalisation. Ce n'est pas tant le fait en lui-même que ce que l'on en fait précisément qui a un impact sur la société. Et c'est ça qui se dessine autour du personnage de Camille. Oui, absolument. C'était en fait un des sujets ou un des thèmes que j'avais envie de posé dans ce roman et d'explorer dans ce roman, c'était ce qui moi me peut-être parce qu'aussi je suis sensible à ça, c'est la fictionnalisation des faits et la manière dont ces faits sont fictionnalisés très rapidement et très efficacement. C'est-à-dire qu'il y a quand même presque une sorte de scénario de fictionnalisation quand un événement arrive et voilà, un événement même le Covid, là, même l'hydroxychloroquine, par exemple, c'est assez surprenant de voir la façon dont tout ça est scénarisé et il y a des personnages qui peu à peu apparaissent, des personnages qui se dessinent, il y a des conflits, il y a des antagonistes, il y a des protagonistes, il y a un cœur qui est avec l'antagoniste, avec le protagoniste. Bref, on a peu à peu tous les ingrédients d'une fiction qui se mettent en place. Et que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les chaînes d'infos en continu, s'emparent de ces ingrédients et peu à peu, ça monte. Et ça devient vraiment, au fur et à mesure, une sorte d'épisode journalier qu'on suit sur son fil Twitter ou à la télé jusqu'à ce que ça s'arrête. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas forcément une fin, mais c'est ça que je trouve assez, assez surprenant, c'est que presque naturellement, le rythme des séries, le rythme de la fiction est devenu notre rythme de création des faits divers ou des faits. Voilà. Donc, est-ce que vous diriez, parce que finalement le roman est un roman qui est un roman très réaliste pour le coup, on peut dire, et est-ce que vous diriez que c'est aussi pour vous une manière d'inscrire le roman, la littérature, à un endroit justement en rapport avec, je ne sais pas si on doit dire la réalité, la vérité? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez en tant qu'auteur? La ville, par exemple, vous la décrivez avec beaucoup de rapport aux odeurs, aux sensations, aux couleurs. On a l'impression que vous essayez d'ancrer un rapport au réel. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée, vous, en tant que romancière, en abordant ces questions-là, finalement, sur la représentation du réel, sur la vérité, sur la fiction? En fait, la question que je me suis posée, et que ça soit pour Des Orientales ou que ça soit pour Arène, c'était qu'est-ce que j'ai envie de raconter, surtout. C'était ma question première. Et quelle histoire j'ai envie de raconter? Est-ce qu'il y a. Parce que il faut. Parfois, la réalité est trop forte et les histoires. Voilà, ça paraît dérisoire. Mais il y a des moments où on a envie de raconter quelque chose. Et moi, j'aime bien raconter les choses à travers les histoires, mais j'aime bien aussi raconter quelque chose. Donc. En voyant ce que quand je vous parle de fait et fiction, pour moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de raconter parce que je me disais, au-delà du fait que là, il y a du romanesque, c'est-à-dire ça permet de créer des personnages, des intrigues, etc., c'était vraiment quelque chose qui était que j'avais envie de partager presque. J'avais envie de dire, voilà ce que je vois et est-ce que j'ai raison de le voir et voilà. Donc, c'était à ce moment-là, c'est ça que j'avais envie de raconter et après, la violence policière et tout ça est venu se greffer là-dessus. Mais c'était... Et Paris aussi. Parce qu'il y a quand même quelque chose dans cette ville. Elle a été racontée tellement et il y avait un défi. Voilà. Parce qu'elle a été beaucoup racontée aussi. Hein. Donc, je me disais, est-ce que moi, je vais arriver... Parce que moi, qui ne suis pas d'ici, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus? Est-ce que je vais pouvoir apporter quelque chose? Essayons. Oui, c'est presque une tradition littéraire en soi, hein, le roman d'une ville. Absolument, absolument. Et la ville est tout à fait cinématographique aussi, parce que c'est là où il y a toujours les gangsters. Donc,
Alors, il fallait faire quelque chose, une histoire entre la ville et les gangsters. Voilà. Vous parliez du cinéma tout à l'heure parce que c'est à la fois une tradition littéraire et aussi quelque part une tradition cinématographique, la ville. Il y a un certain nombre de chapitres qui font référence aussi à des titres de films. C'était important pour vous de faire rentrer le cinéma aussi dans la vision, la représentation de cette ville? Alors, à plusieurs titres, oui, parce que c'est une ville cinématographique. C'est vrai qu'on a beaucoup filmé Paris, beaucoup, beaucoup. Et depuis, voilà, le canal Saint-Martin a été tellement filmé, Arletty, enfin, et passons. Et il y a eu beaucoup de films américains qui ont été tournés à Paris aussi, donc même des séries. Donc, c'est une ville qui est cinématographique. C'est une ville qui suffit à elle-même, qui appartient très peu aux Parisiens d'ailleurs. C'est une image et les gens vivent à l'intérieur de cette image. Et donc, il y a cette dimension cinéma dans Paris. Si on parle de Paris, on ne peut pas ne pas parler de cinéma, que ce soit de façon anecdotique, parce qu'il s'est passé plein de choses, ce qui est le cas avec Orson Welles, par exemple, qui est dans le livre, l'anecdote sur Orson Welles et le musée d'Orsay. Ou alors, d'autres, voilà, il y a eu... À Belleville aussi, il y a eu Juliette Berthaud qui a filmé. Donc, c'est vraiment, pour quelqu'un qui aime le cinéma, c'est quand même une ville qui est assez magique. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a cette question d'image. C'est que l'image, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est notre quotidien. Que ce soit vous et moi en train de se parler, ou tout à l'heure, je vais regarder mon téléphone portable, ou je vais filmer, ou faire une photo. Donc, qui dit image, pour moi, hein, dit fiction. Un tout petit peu de fiction, entre vous et moi, peut-être pas trop, quoiqu'on est quand même un peu cadré, donc on est un peu mis en scène, mais à partir du moment où on fait une photo ou on filme, il y a de la fiction. Donc, fatalement, il y a du cinéma qui rentre, il y a des personnages qui rentrent. Et il y a aussi cette dimension qu'on est en filmant quelqu'un ou quelque chose, et d'ailleurs les réseaux sociaux y font beaucoup, on devient le personnage de quelqu'un. Donc, c'est le cas de Camille, par exemple. Camille filme Sam et Sam devient le personnage de Camille. Donc, en la filmant, elle en fait ce qu'elle veut. Elle en fait un montage qui est, pour elle, le montage qu'elle veut montrer au monde. Donc, elle utilise cette policière comme un personnage et elle la donne en pâture à la société. Donc, voilà. Donc, c'est ce regard sans cesse des uns sur les autres qui fait de nous des personnages de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est aussi ça le côté cinéma que j'avais envie de rendre. Vous parlez de Sam, hein, ce personnage de femme flic, qui montre aussi la manière, je pense, dont vous avez travaillé, c'est-à-dire aussi dans la complexité, dans l'ambivalence finalement de ces personnages. J'imagine en tout cas que en travaillant sur ce livre, vous vous êtes beaucoup préoccupé d'avoir de la nuance, de ne pas être dans une forme de caricature, de simplisme, de manichéisme. Sam, ça me semble être un bon exemple, mais il y en a d'autres, hein, des personnages. Vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de cela aussi, le rapport entre guillemets à l'archétype et à l'ambiguïté, à la complexité des personnages que vous mettez en œuvre. Oui, alors la complexité des personnages vient aussi en contrepoint avec ce qu'ils vont représenter en tant que personnage de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, elle est flic, c'est l'apparence. Donc, quand on va voir la vidéo de Camille, c'est la flic qu'on voit. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut. Elle est violente, elle va représenter soudain toute la police. Voilà, donc elle est diminuée à une catégorie et on la range dans cette catégorie. Et cette catégorisation, cette espèce de case dans lesquelles on met les gens qui est très courant parce que les réseaux sociaux aussi permettent ça et font qu'on fait ça. Et d'un coup, derrière cette personne, il y a une multitude d'êtres qui se cachent. Elle est musulmane, elle est turque, elle est de Strasbourg, elle n'est même pas parisienne, elle court. Voilà, donc c'est cette multitude qui vient s'opposer à cette image. Et tous les personnages, j'ai essayé qu'ils soient comme ça. C'est-à-dire Stéphane Jahangir, qui est le bon musulman avec des idées bien arrêtées, qui représente l'absence de nuances. D'ailleurs, il déteste les nuances parce que, voilà, l'absence de nuances, c'est aussi l'extrémisme. Il ne faut pas l'oublier. Et cette espèce de catégorisation, c'est ça, c'est pousser vers l'extrémisme, que ça soit religieuse, que ça soit politique, que ça soit, voilà. Donc,
Mais montrer que des personnages sont multiples, c'est aussi s'opposer à cet extrémisme-là. Donc, c'est un peu une manière de dire qu'on est tous très, très complexes, qu'il n'y a pas qu'une seule personne avec un musulman, un homosexuel, une flic, voilà, que derrière tout ça, il y a toute une histoire et qu'il y a un être humain. On parle beaucoup, bien sûr, de ce qui pourrait être une unité de lieu, hein, avec cette ville de Paris, mais il faut peut-être parler aussi de la temporalité du livre et de finalement ce temps très resserré. Alors, vous avez évoqué à juste titre, je dirais, les prises de recul ou la dimension historique, temporelle, évidemment, du quartier, mais il y a quand même ce choix narratif de travailler sur un temps très court. Sur une sorte d'instantané en réalité de ce quartier et de la société. Là aussi, peut-être nous parler de ça, puisque c'est un choix qui est un choix narratif, mais qui est aussi une manière de, oui, je dis un instantané, il y a quelque chose de l'ordre de la photographie là-dedans. Oui, c'est ça, il y a quelque chose de l'ordre de la photographie, absolument. Mais en même temps, les événements jaillissent, montent et se terminent très, très rapidement. Donc, d'une certaine manière, le temps de l'histoire, c'est peut-être le temps réel, en effet, de cet événement, c'est-à-dire heure par heure presque, comment un téléphone portable peut embraser une ville. Et c'est un peu le temps des réseaux sociaux, c'est le temps des news, des nouvelles, des notifications, de tout ça. En fait, il y a une sorte de ramassage temporel, tout est très rapide, tout est très rythmé, tout va très vite et tout va très haut et d'un coup ça s'arrête. Et c'était un peu ça, c'était à nouveau comme avec le rythme, essayer de tenir dans le livre le temps des faits, de comment ces faits-là se transforment et montent. Donc, Oui, avec aussi ces parties qui décrivent une sorte d'accélération véritablement jusqu'au furioso. C'est-à-dire qu'il y a aussi un montage comme ça en tension d'une certaine manière dans l'écriture du livre avec ces mouvements. C'est comme ça que vous les avez envisagés, ces grandes parties? alors, ces grandes parties, je vais vous dire, les titres, c'était pour moi. D'abord, je me suis dit, il faut qu'il y ait ces mouvements-là. Donc, il y avait quelque chose, j'arrête pas de parler de rythme, mais moi, j'ai un peu l'impression quand j'écris que quand j'ai trouvé le rythme, j'ai trouvé l'histoire. C'était pareil pour des orientales, c'est pareil, c'est-à-dire le rythme des mots, le rythme des phrases, et soudain, l'histoire vient. Donc, c'est toujours un peu musical tout ça. Donc, je m'étais dit, voilà mes parties en construisant le livre, même si je n'ai pas fait de schéma, de tableau, etc. Je n'ai pas fait tout ça, mais je m'étais dit, voilà les temps forts. Et après, j'ai décidé de les garder. Je me suis dit, finalement, c'est les temps forts, ça chapitre bien, et pourquoi pas, c'est un peu les coutures de l'écriture, de les garder. Mais en effet, j'ai comment créé la structure avec ces temps-là. C'est-à-dire en me disant que ce furioso devait absolument arriver à la fin et emporter tout, absolument. Vous parliez tout à l'heure de l'accélération, de la vitesse et presque de l'accumulation. Et c'est vrai que ça aussi, dans le livre, c'est très fort parce que vous intégrez les SMS, les notifications, tout ce qui constitue finalement cette avalanche d'informations, comme si vous saturiez aussi le livre presque graphiquement. Comme nos cerveaux peuvent l'être aussi peut-être au quotidien, on a l'impression qu'il y avait presque une nécessité de rendre graphiquement cette avalanche d'informations, de visions pour l'ensemble des personnages. Oui, parce que je pense que la saturation, cette saturation-là, participe à l'état intérieur des personnages, comme ça participe à mon état intérieur, à moi. C'est-à-dire, si je suis comme ça, parfois aussi derrière mon ordinateur, c'est parce que j'ai tout le temps des notifications, et après, je les enlève, mais je me dis, mon Dieu, je ne vais pas savoir ce qui se passe dans le monde si j'enlève la no notification du monde. Ou... Voilà, donc c'est ce combat permanent avec un monde qui nous pousse à aller vers lui et à le prendre tel qu'il est, et nous qui nous retenons pour ne pas rentrer dedans de plein pied. Donc c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire, on regarde les notifications, mais on les efface, même si c'est des tragédies abominables, il y a 600 morts quelque part, et on veut les voir, on veut être mis au courant, mais on ne veut pas être saturé par ça. Donc il y a ce jeu de non-maîtrise totale
de notre temps présent et de notre quotidien. Et du coup, ça met aussi dans un état de nerf qui fait qu'on n'est pas forcément toujours très calme par rapport à ce qui nous arrive. Donc, c'est le bruit et les fureurs du monde, en fait. La frénésie du monde, oui. La frénésie du monde. Encore quelques questions. Je vais voir s'il y a des questions ensuite, bien sûr, des lecteurs, mais encore quelques mots avec vous. On n'a pas parlé d'un autre personnage qui est personnage de Roxane, donc là vraiment une femme politique. Et au final, on a beaucoup parlé du pouvoir de Benjamin Grossman, mais on pourrait presque se dire que globalement, ce livre est aussi un livre sur le pouvoir politique, sur le pouvoir de l'image, sur le pouvoir des réseaux sociaux, sur le pouvoir de Netflix et de Benjamin Grossman. Est-ce que vous diriez ça, que c'est aussi vraiment un fil rouge du livre? Mais totalement, c'est totalement un fil rouge du livre. Et qui dit pouvoir dit territoire, et qui dit territoire dit guerre de territoire. Donc, les trois vont ensemble. C'est-à-dire, chacun cherche un bout d'un pouvoir. Même Stéphane Jahangir cherche le pouvoir. Donc, c'est comme ça que la guerre, enfin, que les événements se déclenchent et que tout s'embrasse. Parce que tout le monde cherche le pouvoir. Et quand on cherche le pouvoir, non seulement on n'a pas toujours les mains propres, comme dirait Sartre, on a toujours un peu les mains sales, mais on est prêt à tout. Donc, c'est pour ça que je disais que chaque personnage devait être sur sa logique, même si cette logique est parfois difficile à regarder, difficile à appréhender, peut-être parfois cynique même, mais c'est des logiques de pouvoir qui s'affrontent. Parce que voilà, chacun veut une place politique, sociale. Il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé tout à l'heure en parlant de Benjamin Grossman, c'est que c'est aussi un livre, me semble-t-il, sur une forme de libéralisme et sur le culte de la performance. Et c'est vrai que, notamment dans la question du management, hein, dans ces grandes entreprises, on ne l'a pas dit, mais Benjamin Grossman, il signe un contrat où il n'a pas le droit de fumer, où il doit faire un certain nombre de kilomètres en footing. Donc, c'est à la fois la surveillance généralisée dans laquelle on se trouve à certains égards et en même temps ce culte de la performance, ce culte de l'hygiène, ce culte finalement d'un management presque éthique, mais qui au fond est d'une très grande cruauté. Est-ce que c'est aussi une dimension qui vous intéressait? Oui, absolument, parce que de toute façon, c'est là où il a beaucoup de pouvoir, mais il n'en a aucun. C'est surtout ça. Et d'ailleurs, il le sait parce qu'il est lui-même tétanisé, mais il n'y a que lui qui sait qu'il n'en a aucun. Et c'est un peu une sorte de contrat faustien, c'est-à-dire qu'il a vendu son âme au diable. Donc, il est devenu une machine pour faire gagner des dollars à Bicurrent. Le rêve a un prix très, très élevé, mais comme souvent, le rêve a un prix. Donc, celui-là est quand même très, très élevé. Et bien entendu, il y a cette espèce de culte de performance qui est aussi là, même là, dans la situation dans laquelle on vit, on nous parle de ça. Qui sont les vieux qui doivent être vaccinés? Qui sont les gens qui travaillent? Voilà, ces questions-là, même si ça ne dit pas, même si ce n'est pas débattu sous cette forme-là, même si le mot performance n'est pas toujours utilisé, mais il y a ça aussi dans une société qui... où les plus de 55 ans sont considérés comme vieux et on les met au chômage, où les jeunes sont considérés comme trop jeunes. Voilà, il y a cet âge de Benjamin qui est l'âge de la performance, en fait. Dans la quarantaine, on est bien. Avant, on est beaucoup trop jeune. À partir de 55 ans, on est carrément vieux. Et là, il est, lui, dans la performance et il doit prouver absolument qu'il est cet homme-là. Et c'est très lourd. Et au final, c'est vrai que vous avez évoqué tout de suite le mot de violence, mais c'est finalement un livre qui dit la violence urbaine, la violence sociale, évidemment. Et c'est vrai que c'est aussi une violence qui est une violence pour les jeunes et pour les enfants autour de ce personnage d'Issa qui est au cœur du livre. C'est aussi cela le livre, c'est-à-dire aussi un livre sur la jeunesse de ces quartiers et peut-être la jeunesse de France. C'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible. Oui, et beaucoup, surtout la jeunesse de ces quartiers. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que parfois, en me parlant du livre, on me dit la banlieue, alors que c'est en plein Paris. Et comme si avoir des jeunes comme ça, comme Issa, faisait immédiatement banlieue.
Or, non, c'est des jeunes qui sont en plein Paris, qui ressemblent beaucoup aux jeunes de banlieue, qui ressemblent beaucoup aux jeunes de Paris, et qui finalement, c'est comme, oui, c'est la jeunesse de France, d'une certaine manière. Et bah, voilà, on parle pas mal de jeunesse sacrifiée en ce moment, mais c'est vrai qu'on est, ils sont quand même un peu, comment faire pour accéder à cette société de performance? Comment faire pour rejoindre ces normes? Et c'est très, très difficile, surtout quand on n'a pas du tout, et l'école publique est quand même dans un état à ses limites, donc ne donne pas les armes. Et voilà, donc c'est quand même, ils sont quand même très, très seuls face à ce qu'on leur propose. À part, enfin, je veux dire, les 13, 14, 15, jusqu'aux étudiants. Donc c'est cette solitude aussi de Camille, d'ailleurs, qui est quelqu'un de très, très seul. Elle est toute seule, et elle avance toute seule, les parents sont assez largués. Il n'y a personne devant elle, il n'y a que des copains qui sont en train de mourir les uns après les autres. Voilà. Encore deux petites choses peut-être pour achever cette conversation. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes d'origine iranienne et on peut presque se poser la question de savoir si vous avez ressenti une question autour de la légitimité à écrire sur Paris, sur la France. Vous êtes en France évidemment depuis longtemps. Vous êtes désormais une écrivaine française ou presque. Est-ce que vous pensez que, je dirais, votre identité, votre passé, le regard que vous avez pu porter sur l'Iran, sur votre parcours personnel, fait aussi que votre livre est singulier, que votre regard est singulier, ou est-ce que ça ne constitue pas pour vous une dimension importante, marquante? En fait, je ne sais pas si je suis une écrivaine française ou iranienne, mais d'ailleurs, je ne me pose pas la question. Ce qui est sans doute marquant, c'est la manière dont on regarde le monde, et on ne regarde pas le monde qu'on soit né en Iran et qu'on ait grandi en France, ou né en Iran et grandi en Iran, ou né en France, grandi en France. Je veux dire par là que ce qu'on a traversé change, modifie notre façon de voir le monde. C'est vrai que moi, je viens d'un pays où il y a une révolution, où il y a une guerre. Voilà, j'ai traversé tout ça, j'ai traversé des frontières, et donc ma manière de voir le monde n'est pas forcément la manière d'une Française de mon âge ou de ma génération. Donc forcément, cette façon-là se déverse dans ce que j'écris, et c'est normal. Mais après, moi, la question de l'identité ne me travaille pas autant que ça, d'ailleurs parce que j'ai pas envie que ça me travaille. En fait, j'ai pas envie qu'on m'enferme là-dedans. Donc, c'est aussi, il y a plein de gens qui m'ont dit après Des Orientales, un autre livre sur l'Iran. Ben non, parce que c'est, voilà, c'est pas, il n'y a pas que l'Iran sur Terre. Et moi, c'est pas quelque chose qui me travaille tant que ça. Et j'ai pas envie, parce qu'on en parlait de l'extrémisme et des cases. Et s'enfermer, alors déjà, quand on vous enferme dans des cases, mais alors s'enfermer soi-même dans des cases et se mettre des étiquettes dessus en disant moi je suis iranienne, c'est ma culture, je suis née dans un pays musulman, donc je ne supporterai pas, et c'est hors moi. Donc, et je me permets, et je pense que du coup, je me permets d'écrire ce que je veux, en fait, parce que je me donne ce droit-là, et je ne me dis pas est-ce que je suis légitime ou pas. Et je vais vous dire qui m'a décomplexée par rapport à ça, c'est Salman Rushdie, dans un livre qui s'appelle Patrie imaginaire, où il s'adresse aux écrivains indiens de langue anglaise, et il leur dit, regardez les Anglais, ils vont chez nous, ils restent 3 semaines, ils reviennent, ils écrivent un livre. Nous, on est là depuis des années et on se pose la question, est-ce que j'ai le droit de parler de la société anglaise? Mais prenez ce droit. Et à l'époque, il y a très longtemps, avant même Des Orientales, avant même d'écrire des scénarios, je m'étais dit, tiens, il va falloir que je réfléchisse à cette question. Il a raison. C'est amusant parce qu'il y a une question d'un lecteur, d'une lectrice qui demande si l'histoire aurait pu être transposée en Iran, mais j'imagine que les problématiques sont différentes, mais bien sûr qu'un roman social sur l'Iran doit pouvoir exister aujourd'hui. Oui, alors le problème de l'Iran, c'est que ça a duré 3 heures. La question serait hyper vite. Voilà, donc c'est une vraie dictature. Le mot est très à la mode en ce moment, mais l'Iran, c'en est une vraie. Alors, l'Iran ferme
très rapidement Twitter et tout, ferme Internet, fait une sorte de prison à ciel ouvert et tue tout le monde à l'intérieur. Donc, c'est très. Voilà. Mais ça aurait pu exister. Vous dites avec humour des choses bien sûr graves et qui sont importantes pour vous. Juste pour finir sur ce rapport au roman et à la langue française, quand même, peut-être un mot sur cette question-là, sur l'écriture, sur la langue, sur la manière dont vous l'investissez. Je ne pose pas la question de savoir si elle peut être la vôtre ou pas, mais de savoir comment est-ce que vous l'envisagez. Est-ce que c'est un rapport tout à fait intuitif aujourd'hui, ou est-ce que c'est encore une donnée de votre rapport à la littérature et à l'écriture ? Écoutez, ça a été longtemps une sorte de la langue française était très intimidante, d'autant que je l'ai appris en Iran, donc c'était déjà quelque chose de très intimidant, parce que elle est arrivée pour moi avec les auteurs français et pas n'importe lesquels, bien entendu, puisque on est en Orient et ça arrive avec Victor Hugo, avec Balzac, avec Zola, donc ça arrive avec beaucoup de majesté. Voilà, donc moi, quand j'ai longtemps porté avec moi, pas le français du quotidien, pas le français de l'école, mais le français de la littérature, était pour moi très, très intimidant. C'est aussi peut-être pour ça que je me suis tournée vers l'image, parce que c'était un territoire neutre. Le cinéma était neutre de langue, était neutre du persan, était neutre du français. C'était un langage quand même, mais il n'y avait pas toutes ces questions, il n'y avait pas... cette intimidation. Donc, et puis à un moment donné, voilà, la phrase de Salman Rushdie m'a beaucoup marqué d'ailleurs. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah, il va falloir que je fasse avec ça. Et comment je vais faire? Et finalement, pour moi, ça, il y a beaucoup d'images dans ma tête. Ça vient avec l'image. La langue vient avec l'image. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais y aller. Donc, je vais pas rendre hommage à cette langue dans sa belle littérature et à des écrivains français, mais je vais l'écrire comme moi je peux l'apprendre, quoi, en fait. Et c'est vrai que le persan est une langue aussi très très imagée, donc le français que j'ai commencé à écrire en littérature est devenu, je pense, un mélange de ça, un mélange de ce persan très imagé et cette langue française que j'essaye d'apprivoiser. Donc voilà, je crois que ça, voilà, c'est ça qui a donné des Orientales et à Rennes. Vous parlez de Zola et c'est amusant parce qu'on pourrait penser aussi à des livres comme Nana ou qui sont inscrits aussi dans un Paris populaire. On pourrait presque voir revenir Gervaise dans votre livre. Ah ben, ça serait super. Je suis flattée. Si j'arrive à ça. Peut-être, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Je pense que les lecteurs vous écoutent avec attention. Puis il y a toujours peut-être un peu de timidité à s'inscrire, d'autant plus dans ces formules un peu particulières. Peut-être pour terminer, puisqu'on évoquait cela avant de commencer cette conversation publique, c'est intéressant de repréciser que vous travaillez vous-même aussi pour des scénarios. Et qu'il y a aussi quelque chose qui se joue, vous me disiez juste avant que vous travaillez en ce moment pour des scénarios, il y a quelque chose qui se jouait aussi dans ce livre-là, dans la tension entre ce qui est une partie de vous dans l'écriture de séries ou pour la télévision, et ce qui est votre nature romanesque. C'était presque aussi une manière de confronter les deux facettes de votre activité d'écrivaine. Oui, oui, absolument, mais sans... sans essayer de faire d'arène un scénario, parce que ce n'est absolument pas voilà, c'est la construction de scénario ne se fait pas du tout comme ça, en fait. Arène, si il devait passer en scénario, il faut vraiment l'adapter, c'est pas du tout un scénario, mais il y a quand même des en fait le point commun entre l'écriture romanesque et l'écriture scénario, il y a pas beaucoup de points communs, hein, parce que le scénario, c'est vraiment de l'action, il faut que ça avance par l'action. On n'est pas dans la tête des personnages, par exemple, et toutes les 10 minutes, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais il y a cette chose que j'aime beaucoup et qui est aussi assez intimidante, d'ailleurs, c'est la dramaturgie. Voilà. Donc, c'est essayer de rendre les deux dramaturgies, c'est-à-dire de faire le lien, de faire le pont dans ce livre-là entre la dramaturgie du scénario et du roman. Et
ça collait au personnage de Benjamin d'essayer de montrer comment une fiction se crée aussi à l'intérieur du roman. Comment, et j'ai profité de ce fait, de Issa, du film de Camille, pour mener une réflexion et écrire sur la création de ce qui va devenir le scénario de cette série que B. Corren fera. Donc, il y a cette ligne narrative de comment on écrit un scénario et comment un événement peut devenir un scénario, parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'histoire de Carlos Ghosn a été achetée par Netflix. Donc, n'importe quoi peut devenir un scénario. Pas un roman, mais un scénario. Donc, il faut dire qu'en ce moment, la réalité dépasse souvent la fiction. C'est vrai. C'est vrai. C'est très spectaculaire. Hein. Mais les Américains ne sont pas là pour nous sauver. Il n'y a pas Bruce Willis. Au moins, ça nous apprend que ce genre de film, ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche qu'à Hollywood. Mais on va s'arrêter sur cette conclusion et sur ce sourire. Vraiment très heureux d'avoir parlé avec vous de ce beau livre, Arène, publié chez Liana Levy, comme votre précédent. Un beau roman noir et un roman de grande qualité littéraire et en même temps courageux et radical dans la vision qu'il propose. Un grand bravo à vous, Négar, et vraiment merci d'avoir été avec nous. Je me tourne vers Aurélie qui me dit qu'il y a peut-être une question, un regret de l'un des participants, et je vais jeter un petit coup d'œil à cela. Que me dit-on? Qu'on vous adore déjà sans vous connaître et qu'on attend avec impatience un troisième livre, ce qui semble déjà un bon signe. Bon, merci à tous, merci à vous. J'espère en tout cas qu'on pourra se retrouver mi-mars, dans la deuxième quinzaine de mars, avec au moins les autres écrivains, j'espère les lecteurs potentiellement, mais on essaiera, quoi qu'il en soit, de faire un bon moment de discussion avec tous les auteurs qui sont sélectionnés cette année dans le prix Summer, et je suis sûr que vous aurez beaucoup de choses à vous dire les uns les autres. Absolument. Super. Avec plaisir. Ah, je vois. Pardonnez-moi, Négar, finalement, vous voyez, les questions arrivent petit à petit au fil de la conversation. Alors, il y a quelqu'un qui souhaitait prendre la parole. C'est Sandra. Je vous donne la parole, chère Sandra. Vous pouvez vous adresser à Négar. Bonsoir. Moi, c'est la première fois que j'assiste déjà à une émission de ce style-là. Donc, je suis ravie que ça soit avec vous et vous m'avez donné l'envie de découvrir votre œuvre parce que je ne vous connaissais pas. Et je vais courir demain à la librairie pour découvrir vos deux œuvres. Et puis, s'il y a l'occasion, eh bien, vous envoyez un petit mot, peut-être sur un lien que vous avez qui sera ouvert, qui serait public, et peut-être vous donner mes ressentis. D'autant plus que moi, je suis formatrice en insertion professionnelle et j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes qui sont de cultures très différentes. Et je suis une ancienne parisienne et je vous avoue que vous m'avez mis l'eau à la bouche. Ah, bah super. Bah, voilà. Bah, oui, avec plaisir. Si vous le souhaitez, faire l'interface entre les lecteurs et Négar. Mais ouais. Bien sûr, Sandra, que si vous souhaitez faire un témoignage de lecture, on se fera les messagers auprès de Négar pour qu'elle puisse éventuellement recevoir votre témoignage de lecture et échanger avec vous. Merci en tout cas de votre intervention. Merci beaucoup. Merci Sandra. Je vous en prie, merci beaucoup, Madame Négar Djavadi. Absolument. Merci. Et bien voilà, vous êtes la dernière, Négar, de ces temps de discussion qu'on a eu avec tous les auteurs. Les lecteurs vont désormais se réunir dans la mesure du possible, discuter des livres, et puis il y aura un vote et on remettra ce prix au lauréat au mois de mars. Un immense merci en tout cas à vous, cher Négar. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir tout le monde. Et merci à tous.